Voilà. Je vais repasser. Je repasse bien. Voilà. Je vais venir plier en deux comme ça. Je plie. Je plie bien. Je prends l'autre côté. Je plie bien comme ça. Voilà. Je plie. Je plie. Et ça va me donner une nappe comme ça. Coucou mes amours, salut salut, bienvenue dans la grande famille Belle Idée, content de vous retrouver et d'être parmi vous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en santé. Moi de mon côté, de grâce, je me porte bien. Je me suis juste fait mal là, mais c'est pas grave, ça va passer. Alors aujourd'hui, je viens juste vous donner quelques petits conseils. Je viens d'abord vous dire, ce n'est pas pour rien que Dieu il a dit dans la Bible que femme, tu dois être soumise à ton homme, à ton mari. Alors la soumission d'une femme auprès de son homme, c'est dans le respect, c'est dans l'amour que cette dernière donne à ce dernier. Alors je viens d'abord aujourd'hui partager un petit secret avec vous, vous les femmes. Quel que soit ce que ton mari peut te faire, quel que soit ce que ton fiancé peut te faire, il ne faut pas toujours trop se fâcher. Il ne faut pas toujours garder cette distance pour que vous ne vous parlez pas. Parce que là où il n'y a pas la paix, là où il n'y a pas l'amour, le diable cherche toujours à passer. Donc, il faut faire très attention. Alors, je viens partager juste un petit secret avec vous. Prenez l'habitude de toujours utiliser des mouchoirs. Vous les lavez bien, vous les pliez. Prenez l'habitude de donner ces mouchoirs chaque matin à votre époux, à votre bien-aimé quand il sort de la maison. Si vous prenez cette habitude, ça va faire en sorte que même si vous avez des problèmes, vous savez que automatiquement à votre chéri, vous devez lui donner son mouchoir avant qu'il ne sorte le matin. Donc ça sera quelque chose qui va vous booster, qui va vous permettre de ne pas avoir des problèmes avec votre chéri. Même si vous ne vous parlez pas, toi, la femme qui appelle à être soumise à ton mari, tu sauras que quand ton mari sort déjà de la maison, tu dois lui donner son mouchoir. Ne passe jamais un jour sans que tu lui donnes le mouchoir quand il sort de la maison. Ce mouchoir va lui permettre de s'essuyer la sueur. Si par exemple il est enrhumé, de l'utiliser. Si par exemple il veut essuyer quelque chose, il prend. Et quand il rentre le soir, vous récupérez le mouchoir, vous le lavez. Vous prenez un autre le jour du lendemain, vous mettez vos parfums dessus et vous lui donnez. Ça, c'est un bon secret que je partage avec vous, la grande famille Belle Idée. C'est très important. Alors, aujourd'hui, je viens vous faire une vidéo juste pour vous expliquer certaines choses. La femme, tu dois t'aimer. Tu dois aimer ton corps, tu dois aimer ta peau, tu dois aimer ton corps. C'est très important. Tout ce que tu peux faire sur ton corps, c'est pour toi. Je vous avais dit qu'il y avait des bains, il y avait des traitements que vous pouviez prendre en Belle Idée pour reprendre soin de vos fleurs, pour redonner encore vie, pour donner encore, pour booster encore l'amour dans vos foyers. Alors, si vous êtes intéressé par cette tisane, vous avez mon contact. Mais aujourd'hui, je viens vous donner juste quelques petits conseils. Dans Belle Idée, j'ai toujours eu à parler. Prends soin de toi, prends soin de ton corps, prends soin de la personne que tu es. Tu dois t'aimer toi-même d'abord. Vous savez, il y a beaucoup de relations qui se gâtent aujourd'hui. Il y a des femmes au jour d'aujourd'hui que les hommes ne touchent plus. Vous dormez, ils ne posent pas la main sur vous. Pas parce qu'ils ne vous aiment pas. Mais il y a des hommes qui ne parlent pas, qui ne vont pas venir vous dire « tu as des mauvaises odeurs ». Qui ne vont pas venir vous dire « depuis que
on est ensemble, ça fait 15 ans, 10 ans, tu te négliges et tout ça. Nettoie-toi un peu, prends soin de toi, change un peu tes sous-vêtements. Il y a des hommes qui ne vont pas te dire ça. Mais toi, tu vas rester, tu vas te poser les questions. Mais qu'est-ce que je fais à mon homme? Pourquoi est-ce qu'il ne me touche pas? Pourquoi est-ce qu'il ne me fait pas? Mais tu vas oublier que le problème vient de toi. Alors aujourd'hui, nous allons parler juste de notre jardin secret. On va parler pour les hommes une autre fois. Aujourd'hui, nous allons parler pour les femmes. Et nous allons en profiter aussi pour parler un peu des hommes parce que ça touche aussi les hommes. J'aimerais vous dire quelque chose, surtout nous les femmes. Quand vous prenez soin de votre intimité, il y a des gants d'ombelle là qui viennent pour exfolier le corps que je vais vous parler dans une autre vidéo. Il y a des gants qui viennent pour exfolier le corps. Il y a des gants pour le corps et pour le visage. Dans ces gants-là, vous pouvez aussi trouver un pour votre linda, pour nettoyer bien votre linda, pour le gommer, pour l'exfolier, car c'est très important. Et je tenais aussi à demander aux femmes, quand vous faites votre douche, quand vous faites votre toilette, utilisez des serviettes de cette couleur. C'est très important parce que vous devez voir ce qui sort à l'intérieur de vous. Arrêtez d'utiliser des serviettes de couleur rouge, noir, ainsi de suite. Non. Pour vos hommes, c'est très important. Alors, quand vous finissez de laver votre jardin secret, vous mettez l'eau, vous lavez, ça ne suffit pas. Quand on dit prendre soin de son jardin secret, ça ne suffit pas. Homme comme femme, sachez que vous pouvez utiliser le citron. Le citron que vous voyez là nettoie en profondeur. Vous allez prendre votre citron, vous allez le diviser en deux. Vous allez commencer à frotter vos parties. Vous allez bien frotter, bien. Et vous allez prendre le gant en question que je vous dis. Vous allez commencer à gommer, à exfolier, à exfolier. Vous allez vous rendre compte que votre jardin secret va commencer à sentir bon. Votre jardin secret va commencer à respirer. Surtout si vous prenez aussi l'écrêtement que je vous fais voir dans Belle Idée pour prendre soin de sa fleur, pour resserrer sa fleur, pour être comme si on a 15 ans. Oui, une femme qui a 50 ans, 60 ans peut encore avoir un jardin ferme. Il y a des choses que vous trouvez naturellement dans Belle Idée qui sont sans inconvénient. Mais tout le monde peut avoir un citron. Prenez la peine. S'il vous plaît, sauvez vos foyers, sauvez vos ménages. Prenez le citron et nettoyez. Dans Belle Idée, j'ai eu à vous parler de cette crème. Celles qui ont déjà eu à utiliser cette crème la connaissent. C'est une crème que quand tu poses sur ton jardin secret, tu peux donner la forme que tu veux. Tu peux faire le sapin, tu peux faire la carotte, tu peux faire la forme à l'ananas. Tu peux faire la forme à tout ce que tu veux. Il suffit juste de poser cette crème comment tu veux faire le dessin. Et tu vas te retrouver en train d'enlever tout le gazon que tu ne veux pas proprement. Ça va te lisser. Ça va te donner une peau très douce. La crème que vous voyez là. Sauvez vos foyers. Sauvez votre ménage, c'est très important. Ensuite, vous allez avoir besoin de ce parfum. C'est un parfum qui est fait à partir de la camomille et de l'aloe vera. Ça sent extrêmement bon. C'est une crème que vous allez prendre quand vous avez fini de donner la forme que vous voulez. Sur votre jardin secret, vous avez fini de nettoyer. Ça va permettre de parfumer votre jardin secret. Parce que votre jardin secret doit toujours sentir bon. C'est un parfum pour le jardin secret. Vous pouvez le prendre pour monsieur, comme vous pouvez le prendre pour vous. Ça veut dire que lorsque vous avez déjà fini de faire tous vos soins, vous avez fini de faire vos bains de vapeur, vous prenez, vous pulvérisez. Vous-même, monsieur, il va vous remercier. Et vous-même, vous allez vous remercier personnellement parce que vous le faites d'abord pour vous. Donc, cette crème,
Et ce parfum pour l'intimité, vous allez le trouver dans Belle Idée. Alors, pour clôturer cette vidéo, je tenais aussi à vous faire voir cette sous-vêtement. Parce qu'on parle souvent des sous-vêtements, mais il y a des personnes qui ne connaissent pas. Quand on dit avoir des sous-vêtements, ce n'est pas des sous-vêtements noirs et ainsi de suite. Ce sont des jolis sous-vêtements. Changez votre garde-robe. Cherchez à prendre de très bons sous-vêtements, les sous-vêtements qui parlent seuls. Par exemple, je vais vous présenter ce blanc. C'est un blanc dentelé. Vous voyez, même si vous avez la poitrine qui tombe, à titre de rappel, je tenais aussi à vous dire que si vous voulez redonner, de rebomber vos seins, si vous voulez donner encore, rembourrer votre poitrine naturellement, vous trouvez la crème et la lotion dans Belle Idée qui fait son travail. Alors, vous avez ces soutiens, ces rembourrés là, c'est très joli. Vous voyez, ça se présente comme ça, vous voyez. Quand vous mettez, ça reste en bas comme la dentelle, cette partie-ci. Ça reste comme ça en bas. Vous avez le derrière qui se présente comme ça, regardez, c'est bien rembourré. Et ça s'accompagne, vous pouvez utiliser ce genre de caleçon. Ça, c'est le caleçon, pas avec la dentelle, du derrière et du devant du caleçon. Regardez le slip, comment il vient. Donc, quand vous l'enfilez, c'est rien que cette partie qui reste au-dessus. Regardez le devant, il est en dentelle. Ce qui fait en sorte que vous vous retrouvez avec un complet très bien. Regardez une jolie combinaison. Vous voyez, regardez le devant. C'est bien défini, c'est vraiment bien, c'est bien défini là. Là, vous voyez, c'est très bien. Et maintenant, il y a une façon maintenant, quand prenez la peine vraiment d'acheter de très bons sous-vêtements. C'est important. C'est très important pour une femme. Ensuite, je vais vous présenter une autre couleur. Une couleur sensuelle. Une couleur d'amour. Voilà des rembourrés comme ceci. Des jolis rembourrés. C'est très important. Parce que quand vous mettez des rembourrés comme ça, ça valorise votre poitrine. Regardez ces deux seins. C'est très bien. Regardez. C'est très bien. Et la matière, elle est bonne. Regardez à l'intérieur. C'est très important d'avoir de très bonnes choses. Regardez. C'est joli. Vous mettez un rembourré comme ça. Je rappelle, si vous avez un problème, que vous avez votre poitrine qui est tombée, votre poitrine qui n'est pas ferme, n'hésitez pas à venir prendre votre lotion et votre crème. Vous-même, vous allez témoigner après 2 mois. Vous allez me dire, c'est dans le bio, sans effet secondaire. Vous avez là, vous avez maintenant des types de caleçons. Vous voyez, vous avez des sous-vêtements qui vous viennent, je vais vous faire voir. Vous avez des sous-vêtements qui viennent comme ça. Regardez un peu. Vous avez des jolis caleçons parce qu'il faut aller à la mode. Il faut passer à la mode. Regardez comment est-ce que ça se présente. Regardez ici. Regardez la dentelle. C'est comme ça que vos coups derrière se présentent. Et maintenant, il se présente aussi comme ça, devant. Et de côté, vous avez ces petites jolies fleurs. Vous voyez, ça fait un effet vraiment glamour. Vous avez ces effets-ci, c'est très important, s'il vous plaît. Vous avez cette combinaison comme ceci. Vous avez maintenant un autre type de caleçon qui est toujours en dentelle, vous voyez. C'est bien défini, c'est bien dessiné. Regardez, c'est très important, mes soeurs. Il ne faut pas se négliger. Regardez ces jolies fleurs. Regardez. Il ne faut pas se négliger, c'est très important. Bon, je vous ai montré, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous montre juste. Vous avez maintenant une autre couleur qui va aussi, qui est bien. Une couleur de ce genre. C'est très joli, c'est très sensuel. C'est bien rembourré.
Regardez, c'est joli, toujours avec des dentelles. Regardez, regardez la dentelle. Regardez là derrière, quand vous mettez, ça vous fait cette partie bien transparente. Voilà, regardez. Regardez, c'est bien défini là au bord. Et là devant, regardez ça, ces petites fleurs. C'est très important, vous voyez, vous avez des complets comme ceci. Vraiment, il y a des gens qui ne savent pas. Il y a des gens qui s'achètent juste des sous-vêtements pour s'acheter. Non, je vous dis non. Donc, je tenais vraiment à faire cette petite vidéo pour vous ouvrir les yeux, pour vous dire que vous pouvez commencer à prendre soin de vous, car c'est très important. Utilisez de jolies couleurs, du jaune, du rouge, du bleu, du blanc, surtout du blanc. Et utilisez ce parfum. Le parfum que vous voyez là, c'est un parfum qui nettoie l'intimité de la femme, de l'homme. C'est très important. Utilisez cette crème. Ça va vous nettoyer. Ça va vous rendre la bamba bien doux, bien propre. Et si vous avez des problèmes, que votre poitrine est en train de tomber, vous avez la lotion et vous avez la crème que vous allez appliquer, vous allez voir comment votre poitrine va se remonter. Vous allez voir comment votre derrière va se remonter. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Et surtout, respectez vos hommes. Parce que quand l'homme est sur toi, tu es... Nous sommes comme des moutons quand les hommes sont sur nous. On gémit, on fait tout. Mais après, quand ces hommes la descendent, on commence à les engueuler. Faites attention. Respectez vos hommes. Et quand vous allez ajouter tout ce que je vous fais voir là, vous allez voir comment vous aurez un bon foyer. Mais sinon, ces deux produits-ci, n'hésitez pas à vous en procurer pour sauver votre ménage. S'il y a des gens qui ont vu, par exemple, des sous-vêtements qui ne les ont plus, allez-y, en procurez-vous. Si vous ne pouvez pas, il n'y a pas de honte. T'es belle. Je fais cette taille. En procure-moi. Je vais vous en procurer. C'est important. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Prenez vos tisanes que je vais vous présenter, que j'ai déjà eu à présenter. Prenez vos tisanes, buvez-les. Parce que vous devez sentir bon. Et ces produits sont naturels. Celui-ci peut vous faire plus de 2 ans parce que vous pulvérisez juste un peu et c'est largement suffisant. Et la crème est bien, vous donnez la forme que vous voulez. Une fois le mois, vous êtes tranquille, vous êtes bien. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne sais pas en quelle langue je vais vous dire, mais s'il vous plaît, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Au revoir et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. En espérant que celle-ci va vraiment vous ouvrir les yeux. Bye bye.